Peut-être que je dois aller là-bas et essayer de parler avec elle. Mais est-ce que ça serait sage? Je ne connais même pas son nom ou quoi que ce soit la concernant. Mais je vais juste... Qu'est-ce qui arriverait si je partais de parler? Et si elle habite avec ses parents ou si elle avait un petit ami? Et si elle était mariée? Non. Elle ne peut pas être mariée. Est-ce que elle est vraiment mariée? Ah, je me suis senti comme ça pour une fille que ça fait tellement longtemps. Ah, je ne vais pas prendre un autre risque. J'attendrai dans ma voiture. Je vais rester jusqu'à ce qu'elle sorte. C'est très simple et court. Oui. C'est ce que je vais faire. Je vais attendre. Non. Que j'aille. Que j'aille. Bonjour. Dis-moi, qui cherches-tu? Mon nom c'est Charles. Je m'appelle Charles. Non, je ne demande pas ton nom. Je veux savoir qui tu cherches ici. Bien, j'ai je cherche cette fille élancée, mince et charmante qui est en plaisir. Donc elle n'a pas de nom. Non, je l'ai vue, tu sais, elle était en train de marcher et elle est entrée dans cette parcelle, elle était un peu élancée, elle est passée grâce et elle est vraiment belle. Je me demandais si je pouvais passer et la voir, voilà pourquoi je suis ici. Juste regarde-toi, très bien, regarde-toi, hein? Non, regarde-toi, ton travail là, hein? Tout ce que tu sais faire, c'est de suivre une femme comme un papillon. Dis-moi, tu es un papillon, hein? On t'a jamais dit qu'elle a un mari. Écoute, laisse-moi te dire ceci, hein. Ouvre très bien tes oreilles. Quitte ici très vite, avant que mon patron ne vienne te trouver, oh. On va te frapper plus qu'un voleur, oh. Tu ferais mieux de t'en aller maintenant même. Il prend pas mal, je voulais juste la voir. Tu ne vas pas la voir, Oya. Allez, attends, tu sais, je veux juste la... Je vais juste la voir. Je dis que tu ne peux pas la voir, pourquoi tu ne peux pas comprendre? Allez, pars. Quitte ici vite. Je vais aller le dire à mon boss, oh. Ça va, c'est bon. Dégage. Thank you.
Si elle a un petit ami, je suis en train de perdre mon temps en train d'attendre ici. Et je devais peut-être arrêter de mettre toutes mes pensées dans tout ça. Mais comment peut-elle venir au mall et paraître si belle et sexy? Cherchons quelqu'un pour m'escorter. Si elle avait un petit ami. Pourquoi? Non. Je vais tenter ma chance. Je vais continuer de venir ici jusqu'à ce qu'elle me dise elle-même qu'elle n'est pas disponible. Je reviendrai encore. Bonjour, s'il vous plaît, déposez-moi à Lake Street. Ok. Merci pour la course. Voilà. Merci. Je crois te l'avoir déjà dit, j'aime comment tu travailles. J'aimerais avoir ton numéro pour t'appeler en cas de besoin. Oh oui. 00. Bon, enregistre-le toi-même. Oh, ok. C'est ça. Ok, merci beaucoup, je vous appellerai. D'accord. Sandra en point. Toujours en point. Mais cher, j'ai très faim. Il n'y a rien à manger dans cette maison. S'il vous plaît, je ne veux pas partir sans manger. Pardon, donnez-moi la nourriture, je vais manger, s'il vous plaît. J'ai faim. Il n'y a rien à manger. Tu as laissé ton domestique. Hein? Je rêve. Et c'est qui va préparer? Mais, pardon. Est-ce que j'ai un domestique dans cette maison? Bien, les filles. Peu importe ce que vous voulez préparer, alors comptez-moi aussi parce que j'ai vraiment faim. Tu vois? Ah? Ah, tu as entendu?
Ok, ça veut dire que nous tous ici avons faim. Oui, 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 comme j'ai tellement faim. Moi aussi. Ok, pas de problème, j'appelle mon taximan. Sandra en pointe. Toujours au top. Allons-y les filles. Ouais. Allô? Allô, ma. Bonjour, Charles. S'il te plaît, est-ce que tu peux te rendre dans l'un des restaurants non loin de là où tu es pour m'acheter de la bouffe? Eh, ok. De quoi avez-vous besoin? Je veux du jello frit et du poulet pour 4 personnes. Ok. Merci. Ah. je n'ai pas une telle somme d'argent. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Vous allez être mon premier passager aujourd'hui. Je n'ai transporté personne. Alors, je n'ai pas eu une telle somme d'argent. Ok, pas de problème. Juste viens à la maison, comme ça je te donne l'argent pour faire les courses. Ok, je devais entrer. Ok. Bien. Où vas-tu comme ça? Toi, c'est toi encore? Tu es revenu, hein? Ok, donc tu es décidé à pouvoir gâcher mon travail, c'est ça? Maintenant dis-moi, qu'est-ce qui t'envoie cette fois-ci? Dis-moi. Je suis venu voir ta madame. Ma madame? Oui. Ok, c'est quoi son nom? Ah, Sandra. Oh, cette fois-ci tu as appris, hein? Donc tu t'es promené partout dans la ville, demandais le nom de madame pour venir ici. Et ils t'ont dit qu'elle s'appelle Sandra. Écoute, j'aimerais que tu fasses entrer ceci dans ta tête. Fais entrer ceci dans ta tête. Je suis très sûr que ma madame ne te connaît pas, oh. Et tu ne la connais pas non plus. Hein? Allez, dégage vite. Sors vite. Veux-tu juste aller à l'intérieur et dire à ta madame que le conducteur de taxi est ici, il attend. Peux-tu juste faire ça? Bon, ok, attends. Attends là-haut. J'arrive. Je pars lui dire. Oui, Okun, tu fais quoi? Vous m'avez dit que lorsque quelqu'un viendra pour chercher madame, que je vienne ici avant de le faire entrer. Oh, je crois que c'est de cet homme que tu parles. Mais c'est quoi, non? Hein? Je t'avais dit de m'attendre, mais toi tu m'as suivi jusqu'ici. C'est quand même ton problème, non? Donc tu veux te rassurer que je puisse complètement perdre mon travail, c'est ça? Tu ne dois pas réussir. Regarde, sors d'ici. Vite! Oh, tu vas fermer ta bouche! Entre, guéri! Regarde-le! Alors, monsieur, dis-moi, qui êtes-vous? Et vous cherchez quoi? Oh, mon nom, c'est Charles et Sandra m'a dit de venir ici pour prendre. Bon, Lucie, lui, c'est Charles, c'est mon chauffeur de taxi personnel. N'oublie pas, ici, il y en a assez pour acheter du riz, du jello fries. Et tu pouvais comme je te l'avais bien dit. Okay. Très bien, merci. D'accord, j'arrive. Sandy, c'est juste pour ça que c'est mieux qu'elle vienne te chercher. Que veux-tu dire? Bien. Le garçon s'est bien habillé et il est très beau. Et c'est un chauffeur de taxi. Un chauffeur de taxi. C'est pour ça que je l'ai choisi. Sérieux, les filles, je ne vous comprends pas. Qu'est-ce qu'une fille de mon rang
peux bien faire avec un chauffeur de taxi. Écoutez, je ne suis pas prête pour l'amour. Parce que monsieur est beau, qu'il s'habille bien. Écoutez les filles, il nous faut des hommes qui peuvent nous payer nos factures. C'est l'argent qui doit parler. Écoutez un peu ça. Je l'ai appelé tonton. C'était un truc du genre, hey, salut, est-ce que tu peux m'acheter de la nourriture là où tu te trouves? Et en temps retour, je vais te rembourser. Et lui, il me répond, je n'ai pas d'argent maintenant. Je n'ai encore transporté personne. Est-ce le genre de mec que Sandy peut voir? Et c'est ça. Fauché comme un réfugié. Hey, pardon. Mais c'est moi où je suis. Chauffeur de taxi, mon œil n'est pas dans mes rêves. J'espère que tu n'as rien oublié dans la liste. Tu te moques de moi? Je l'ai regardé par la maison, juste que j'ai jeté un coup d'œil. Ok, la prochaine fois, tu t'as regardé. Ok. Pas de problème. Tu es vraiment gentil, je dois l'avouer. Merci. Tu es un peu libre. Tu es vraiment différente de tous mes passagers. Comment? Je pense que c'est à cause des différentes classes. Les gens pensent que un taximan n'a aucune chose en commun avec un. Avec eux. Alors, quoi que tu dises, ils ne vont pas répondre. Jamais. Mais eux, ils veulent que tu puisses répondre à mille et une questions qu'ils vont te poser. Et quand tu réponds, ils veulent que tu répondes par oui monsieur ou oui madame à la fin. Là, ce n'est pas bon, je pense. Un chauffeur de taxi est un humain. Alors ses sentiments doivent être respectés. Bien. Laisse-moi te demander, penses-tu que Sandra voudrait épouser? Je veux dire, est-ce qu'elle peut épouser un conducteur de taxi comme moi? Sandra, mon ami? Ouais. Bien sûr. Mais pourquoi seulement Sandra? Alors toutes ces filles que tu as rencontrées? Parce que je l'apprécie beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et si ça ne te dérange pas? Je voudrais que tu puisses parler avec elle. Oui, pourquoi pas, je le ferai. Mais tu dois aussi le faire, parce que c'est toi qui es intéressé. Ok? Non, ne t'en fais pas, je le ferai. Merci beaucoup. De rien. C'est vraiment gentil. Tu as dit qu'on prend la première direction à droite? Oui, bien sûr, c'est ce que je t'avais dit. Ok. On y est. Merci. C'est ça, ton argent. Non. Non, ne t'en fais pas pour ça, ça va. Charles, ne fais pas ça. C'est un business, tu dois maintenir ta voiture. Je sais, mais tu sais, tous les conducteurs de taxi ne sont pas le même. Et je n'aime pas les gens qui me jugent juste parce que je suis un conducteur de taxi. Ça ira. Ça ira. T'en fais pas. Ok, merci. Je t'en prie. S'il te plaît. Au cas où tu finissais que tu aurais besoin de quelqu'un pour te raccompagner, je pourrais venir ici et te ramener. Ok, d'accord. Donne-moi ton numéro. Oui, prends le 080-341-22-349-00. Oui, c'est ça. D'accord, je vais t'appeler. Prends soin de toi. Mmh.
Oh, c'est toi? Entre. Montre. Ouais. Oh, ok. Je vais faire mes données. S'il te plaît, mets-toi. D'accord. Charon? Madame. Voilà. C'est bon. Prends. Quoi? Non. Ça va aller. Ça va. Et t'en fais pas pour ça. Char, tu ne peux pas refuser de prendre l'argent que je te donne à chaque fois que je te vois faire mes courses. Prends. Je sais, mais cette fois-ci seulement, garde ça. C'est bon, ça ira, ça va aller. Sandra. Il y a une chose sur laquelle je voudrais bien qu'on parle, mais seulement si tu as le temps. J'espère que tu vas bien. Oui. Ok. Tu peux t'asseoir? Merci. J'ai... Tu vois, il y a une chose que je voulais... que j'ai gardée en moi depuis très longtemps et... Mais j'étais juste... en train d'attendre... les bons moments pour... te la dire. Sandra. Je suis tombé amoureux de toi. Dès le premier instant où je t'ai vu. Je suis amoureux de toi, Sandra, et... j'ai longtemps cherché un moyen pour te le dire, et... j'ai pensé que ce serait mieux que je me retienne pour que tu puisses avoir le temps de me connaître. Pour que je te connaisse aussi. Si je l'ai dit, mais plus j'attendais, plus je me sentais interpellé pour te parler à propos. Sandra, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais je t'aime. Je voudrais t'épouser. Est-ce que tu es malade? As-tu perdu la tête? Charles, as-tu fumé un truc avant de venir ici ce matin? Non. Comment oses-tu? Comment oses-tu te pointer dans ma maison pour me dire que tu veux te marier avec moi? Ou alors, est-ce que c'est pour ces petits centimes que tu laisses? Allez, prends ton argent et sors de chez moi. Sors d'ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Pourquoi tu cries? Non, mais imagine-toi. Imagine un peu que ce chauffeur de taxi à deux balles. Regarde, ma mère, Sandra. Il vient tout bonnement me dire, je veux t'épouser. Tu peux t'imaginer cette blague? Allez, mon ami, sors de chez moi. Oh, calme-toi. Toi aussi, pourquoi tu es comme ça? Rite. Tu me sors. Quand tu réagis de ma sorte. Tu veux aller où? Tu as vraiment mal agi. Attends, ne pars pas. Je n'ai pas aimé ce que tu as fait. Je n'ai pas aimé. Ce n'est pas bien. Désolée pour cette réaction. En tout cas, je ne l'ai jamais vu dans ces états. Je ne l'ai jamais vu. S'il te plaît, n'en fais pas un problème, ok? Je vais essayer de parler avec elle. Ok? T'en fais pas. Je vais juste m'en aller d'ici. D'accord. Désolée.
à 7h, Sandra. Devine. Je ne devine pas. Réponds à ma question, où est-ce que tu vas? Clément revient aujourd'hui d'Allemagne. Ouais, il m'a demandé d'aller le chercher à l'aéroport et de l'emmener dans un très grand hôtel. Aéroport? Oui. Ne me dis pas que tu pars à l'aéroport à 7h toute seule. C'est vraiment risqué, non? Ah, je ne te comprends pas. Je ne vais quand même pas marcher jusqu'à l'aéroport. Je vais prendre un taxi. Ok, je peux alors appeler Charles pour te déposer. Charles, c'est qui? Pardon, vraiment, hein? S'il te plaît, j'insiste. Je ne suis pas intéressée par aucun pauvre type infecté. Tu comprends? Le fait que j'étais proche avec lui, c'est ça qui lui a donné l'opportunité de me demander à moi, Sandra, de me marier avec lui. Pardon. D'ailleurs, tout ça, c'est une histoire du passé. Mais tes pensées sont loin, réellement. Je veux dire, il va juste te déposer. C'est vraiment ce qui est essentiel pour toi. Ne te fais pas des idées. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas important. Je suis déjà en retard. Ah, comment tu me trouves? Tu es toute belle, je sais. Mais j'ai besoin de te protéger. S'il je te plaît. Je serai en sécurité, t'inquiète. Sandra au top. Sandra, qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis-moi, c'est quoi? J'ai été enlevée. Es-tu sérieuse? Ça a l'air d'être un sujet sur lequel plaisanter. J'ai été enlevée. Ils ont pris mon sac, mon argent, mon téléphone, tout ce que j'avais. C'est un bon samaritain qui m'a conduit à l'aéroport. Et le pire dans ça est que j'ai pas pu rencontrer Clément parce que j'avais 2 heures de retard. Oh mon Dieu. Et c'est encore un autre bon samaritain qui m'a raccompagné. Désolée. Ah, Dieu merci parce que tu es vivante. Tu vois, si tu étais partie avec Charles, tout ceci n'allait pas t'arriver. S'il te plaît, je ne suis pas du bois. Je suis désolée. Désolée, ma chérie. En tout cas, je suis désolée. Hein? Merci. Charles, j'avais oublié de te dire que Sandra a été enlevée. Quoi? C'est vrai, je te jure. Où? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était montée dans une mauvaise voiture. Et les chauffeurs et une autre personne qui était dedans l'ont enlevée et ont pris tout ce qu'elle avait. C'est vraiment terrible. Voilà pourquoi quand j'ai appelé son numéro, il n'y avait personne qui répondait. Mais pourquoi ne m'a-t-elle pas appelé? Mais où est-ce qu'elle partait? Elle aurait dû m'appeler et si elle m'avait appelé, je serais passé la prendre. Et je m'en fiche de ce qui s'est passé. C'est triste. Vraiment. Ce n'est pas aussi étonnant qu'elle ne puisse pas répondre à mes appels quand je l'appelais. Je l'ai appelée mais elle ne répondait pas. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé et comment elle se sent maintenant? L'a-t-on touchée? Elle est blessée? Non. Elle va très bien. Ils ne l'ont pas touchée. Ils ont juste pris tout ce qu'elle possédait. Oh, ok. Et s'il te plaît, dis-lui que je viendrai la voir après. D'accord. Okay? Merci. D'accord, vas-y doucement. Bye. Qui est là? Que veux-tu? Je suis venu te voir. S'il te plaît, juste laisse-moi entrer.
Sandra. Hein? Il y a quelqu'un à la porte. C'est personne. C'est vrai? Tu n'écoutes même pas le garçon dire ce dont pourquoi il est venu? S'il te plaît, entre, entre. Hé, hey, hé, hey. Si ce mec pose ses pieds dans ce salon, je jure devant Dieu, j'appelle la police et je m'assure qu'il soit inculpé pour l'enlèvement dont j'étais victime. Sandra! Ah, ne fais pas cette tête. Comment peux-tu être sûr qu'il ne fait pas partie de la bande de ces malfaiteurs? Non? Kate, ici c'est Lagos et je ne fais confiance à personne. C'est vraiment impossible. Charles? Hé! Hey. Hé! Hey. Je suis désolée pour ce qui est arrivé. Tu sais, Sandra ne va pas du tout bien depuis qu'elle a été enlevée. Elle n'a pas encore repris tous ses états. Je suggère que tu reviennes encore après, lorsqu'elle sera en bonne humeur, ok? Ok. Je le ferai. C'est juste que je lui ai apporté ceci. Et je ne peux pas rentrer avec. Voudrais-tu, s'il te plaît, m'aider? Hein? Donne-le-lui. Bien sûr. Merci énormément. Hein? Merci. Je vais le faire parvenir, ok? S'il te plaît. J'ai apprécié. Tu dois vraiment le faire, mon ami. Beaucoup. Beaucoup. Je dois me dépêcher. Ok. Merci. Allô Charles, peux-tu être là dans 10 minutes parce que je dois déjà partir? S'il te plaît, ne traîne pas, ok? D'accord. Chauffeur de taxi fait dans ma maison. Sandra, s'il te plaît, je n'apprécie pas ton comportement. Tu es en train d'aggraver ce problème. Je me fiche de ce que tu en penses. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que je ne veux plus voir ce chauffeur de taxi dans ma maison. La prochaine fois que je le revois dans cette maison, je vous prends vous deux et je vous jette dehors. D'accord, je suis dehors. C'est là que devrait être ta place, dehors. Thank you.
toi, Sandra. Tu peux me chasser d'ici. Va maintenant, vas-y. Mais tu ne peux pas choisir pour moi ce que je dois faire et avec qui je dois être en amitié, ok? Contente-toi de ne pas me l'amener dans ma maison. N'importe quoi. Je suis vraiment désolée de te faire attendre. T'en fais pas, pas de problème. Est-ce que tu peux me faire une faveur? Je ne veux plus venir ici. Et je ne veux pas aussi que tu quittes cette maison. Alors prochainement, si tu veux que je t'emmène quelque part, appelle-moi et je t'attendrai juste dehors. Et je vais t'emmener là où tu veux partir. Je ne veux pas que ton ami te jette en dehors de sa maison à cause de moi. S'il te plaît. Sandra est mon amie, ne t'inquiète pas, ok? Elle peut se nerver et faire n'importe quoi, mais elle ne peut pas. Mais je sais de sa maison, c'est impossible. D'ailleurs, elle peut aussi dire que tu ne viennes pas chez elle. Elle ne peut pas m'interdire d'être ton amie ou t'appeler pour une raison ou d'une autre. Ok? Allons-y, l'heure est déjà partie, s'il te plaît. Allons-y, je suis en retard. Allons-y alors. Allô? J'espère que tu as aimé. Oh oui. Je voulais t'offrir ces cadeaux pour te remercier. C'est à toi. Je pense vraiment que tu vas l'aimer. Ça m'a pris du temps. Je vais faire mon choix. Oh mon Dieu, c'est moi. Oh mon Dieu, bébé. Merci beaucoup. Je l'adore. Oh, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Je l'adore tellement. Merci, bébé. Merci, bébé. Ouais, je l'adore. Ok, bébé. Ok, merci beaucoup. Merci. Bye. Thank you.
Kate, où es-tu? Vas-y, prends un taxi et rentre à la maison immédiatement. Oui, il y a... Ah non, faut que tu viennes à la maison. Faut d'abord que tu viennes à la maison. Moi, je te dis bien. Oui. S'il te plaît, tu vas m'attendre ici, comme ça je peux vérifier si c'est quoi. Pas de problème. Je ne traîne pas. Allez, juste à l'intérieur, madame. À faire la fête, c'est ma voiture que t'as vue. Ma chérie, non, non, c'est un mensonge. C'est la vérité du siècle. Oh mon Dieu. Ah oui, ah oui, ah oui, devine quoi, c'est Clément qui m'a offert cette nouvelle voiture à cause de l'incident de l'enlèvement. Wow. Oh oui, tu vois. Tu vois comment est-ce que Dieu agit de manière mystérieuse. La fois dernière, tu me blâmais de ne pas avoir fait appel à... C'est encore quoi ce nom? À ton soi-disant chauffeur de taxi, Charles. Parce qu'avec lui, on ne m'aurait pas enlevé. Mais tu ne savais pas que c'était une bénédiction déguisée. Ah mais oui! Voyons si ça nous tremble. Si je n'avais pas arrêté d'utiliser ce taxi, je ne serais pas entré dans un mauvais taxi. Et si je n'étais pas entré dans un mauvais taxi, on ne m'aurait pas enlevé. Et si je n'avais pas été enlevée, je n'aurais pas su une nouvelle voiture. Ah, tu vois? Maintenant, comprends pourquoi je dis que ce type-là, ce mec-là, ce chauffeur de taxi, il n'est rien d'autre que de la malchance. S'il te plaît, arrête ça. Montre-moi ta voiture. Va me la montrer, s'il te plaît. Bon, veux-tu m'emmener là-bas? Attention, les gars, on arrive. Ne soyez pas distraits, parce que tout peut arriver. On dit quoi, tout peut arriver. Ce garçon te connaît, oh. Il connaît que tu aimes des très bons trucs. Ma couleur préférée. Je te jure, en tout cas, c'est très beau. Je te dis, ma copine, on va repeindre la ville en rouge. Ah, et j'ai appelé Jessica, Samantha et Cynthia pour qu'ils viennent. Mais toi aussi, pourquoi tu es comme ça? Tu devais me prévenir, non, ma chère? Ah, tu pouvais bien m'organiser pour sortir et tout laisser. Maintenant, je dois encore rentrer là-bas. Désolée, non. C'était pour l'effet de surprise. Je m'inquiétais vraiment juste pour toi. Par rapport à ce qui t'est arrivé, voilà pourquoi je rentrais. T'inquiète, il n'y a rien de grave. J'étais juste inquiète pour toi. Kate! Ah! Tu ne vois pas ce qui m'arrive? Hein? Pourquoi tu ne veux pas te détacher de ce garçon pouilleux et fauché? Pour que des bonnes choses comme ça puissent aussi t'arriver. Sandra, tu ne peux pas refuser un gars qui veut t'épouser juste parce qu'il n'a pas de bien matériel. Non, tu ne peux pas le faire. Tu as qualifié ce gars de beaucoup de noms devant moi, genre chauffeur de taxi. C'est quoi ça, Sandra? As-tu déjà regardé les potentialités qu'a vraiment ce gars? C'est un homme intelligent. Oui, il est courageux. C'est un garçon qui se cherchait juste pour avoir de quoi se nourrir. Je pense que s'il trouve une opportunité, il va se surpasser, c'est tout. Laisse-moi te dire, ma chère, ne t'accroche jamais au matériel.
Le mariage est une expression de joie et de l'amour. Il t'aime réellement. Kate, Kate, pourquoi tu pars comme une gamine? Hein? Tu veux me faire croire que toi, tu ne sais pas que l'argent pousse de l'amour dans le mariage? Hein? Ou as-tu aimé la manière dont ton père est mort pauvre et rejeté? Ou alors, est-ce que tu aimes le fait que tes frères et sœurs soient tchoup, 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 partout dans la ville, sans emploi? Peut-être que tu es habituée à la pauvreté. Mais, tu sais, moi, Sandra, je dis en lettres capitales, non, à la pauvreté. Faut quand même je gaspille ma salive. Mais t'es une femme, non? Va te marier à Charles. Moi, j'ai la ville entière à faire tourner la tête. Dis après moi, voiture, bagnole. Laisse-moi vivre. Sandra au top. Sandra est une amie pour moi. Pourquoi se moque-t-elle de moi de la sorte? Ne te dérange pas. Kate. Ne t'en fais pas. Ça va aller. D'accord. C'est bon, allez, allons-y. Hein? Allons-y. Vin rouge, César. On va t'appeler après, ok? Ok. N'emmène encore rien. Ok, bien. Oui, merci. Richard, qu'est-ce que c'est ça? C'est trop cher ici. Je sais. En fait, j'ai déjà emmené des clients ici et je sais combien de choses coûtent ici. Mais c'est un bon endroit et j'aime cet endroit. Et c'est pourquoi je t'ai emmené ici. Tu sais, pour que toi et moi nous puissions... Pour te réconforter, pour que tu saches que tu es mon ami. Tu ne peux pas dépenser tout cet argent juste pour me satisfaire. Allez, ben voyons, Kate. Non, ne te soucie pas trop pour moi, tu sais. J'ai un... En effet, comme je l'ai dit, j'ai épargné de l'argent pour t'emmener ici. Pour que toi et moi puissions avoir un... Pour parler à propos de nous. À propos de nous? Ouais. À propos de nous. Ok. J'aimerais alors t'écouter avant de boire. Ok. D'accord. Ok. Kate. Regarde, la chose est que... j'étais en train de penser que... Excuse-moi. Allô? Quoi? S'il vous plaît, emmenez-la à l'hôpital comme ça j'arrive. En tout cas, cherchez juste un moyen là-bas, je ne sais pas. Oui, je viens là-bas très bientôt. Ah, ok. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Qui va à l'hôpital? Qu'est-ce qu'on amène à l'hôpital? Ma maman. Oh mon Dieu. S'il te plaît, je dois partir. Oh, ouais, tu as raison, t'en fais pas, je vais t'emmener. D'accord. C'est bon, allons-y. Kate, s'il te plaît, ne sois pas triste. Ok, je sais que ton père n'est pas ici, mais
Mais il est important que tu saches que Dieu est ici avec toi. Et moi aussi, je suis là, Kate. Je suis ici avec toi et tout va s'arranger. Aussi longtemps que je me permets, je vais dire. Laisse-moi partager ta douleur. Laisse-moi porter ceci avec toi, s'il te plaît. T'es une bonne personne, Kate. Et je ne veux pas te voir. Si tu te maries à un chauffeur de taxi, j'en ai rien à faire. Si tu te maries à un chauffeur de taxi, j'en ai rien à faire. Si tu te... Oh, con! Si tu te maries à un chauffeur de taxi, j'en ai rien à faire. Si tu te maries à un chauffeur de taxi, oh con! J'en ai rien à faire. Oh con! Si tu te maries... Encore? S'il te plaît, calme-toi. Tu veux quoi? S'il te plaît, je ne suis pas venu ici pour te voir. Je suis venu voir Kate. Est-ce que tu peux lui dire, s'il te plaît, que je suis là? Kate n'est pas là. S'il te plaît, où est-ce qu'elle est allée? T'as pas de téléphone? Ou tu veux que je t'en achète un? Raté. Allô, Kate. Comment tu vas? Je vais bien. Je vais bien. Et comment se porte ta mère? Ok, je vois. Kate, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer ton numéro de compte et que je t'envoie quelque chose? Ok, je sais que tu en auras besoin pour payer les factures à l'hôpital et prendre soin d'elle. Et pour d'autres dépenses que tu pourras rencontrer là-bas. Kate, j'insiste. Je veux t'aider. Ok? Tu l'envoies maintenant? Ok, bien. Bien. Oui, allô? Ouais, Kate. Ouais, je t'ai envoyé sur Meneira. Quoi? Écoute, Kate, est-ce que tu veux dire que je ne peux pas faire un sacrifice de 100 000 Naira pour une amie? Pour une amie qui m'est vraiment proche, c'est ce que tu es en train de dire. C'est bon, écoute, si je veux savoir, regarde, tu vois l'argent que je t'ai envoyé, c'est de l'argent que j'ai de mon second taxi, mais ta maman ne se sent pas bien et maintenant sa vie est une priorité.
Ok, alors mon second taxi peut attendre. Je pourrais encore avoir de l'argent, mais la santé de ta mère est priorité. C'est pourquoi je t'ai envoyé l'argent. Quelles conditions? D'accord, bien, pas de problème. Comme je le souhaite. Ok? Prends soin de toi. Bye. Salut. Non, non, pas du tout. J'avais pris le taxi. Charles, ne t'inquiète pas trop pour moi. Tu as beaucoup fait pour ma famille. C'est pas un problème, ok? Merci. Merci pour toutes choses. Merci. Elle va très bien. Ça évolue. Charles, j'ai une partie d'argent maintenant. Alors, je te vois quand pour que je te les donne. Et la semaine prochaine, je veux solder le reste. Charles. Ok, merci. Bye. Ça ne va plus traîner. Oui. Sandra, Sandra, allez, calme-toi d'abord. Laisse-le. Sandra, laisse-moi, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi, où sont tes contacts? Où sont tes contacts? On est là. Hey! Hey, Sandra, au top, et moi? Sandra, calme-toi. Hey, Seigneur! Est-ce qu'il a fait ma caisse? Apparemment, ce n'est pas aussi grave que ça. Si tu veux, appelle Dieu. Si tu veux, appelle les anges. Personne ne va te sauver. Je veux ma caisse toute neuve, de même couleur. Allô, Eric, comment tu vas? Où es-tu? Allô, boss. S'il te plaît. Non, non, non. Est-ce qu'on
veux avoir une Cross Tower à la boutique. Tu as dit qu'on a une Cross Tower à la boutique, ok? Oui, il y en a, boss. S'il te plaît, tu vas délivrer une Cross Tower aujourd'hui, quelque part. Tu connais Akping Crescent, qui est juste après Rajirasaki, au numéro 68 des Akping Crescent. Oui, sois prêt à délivrer aujourd'hui, hein? Une nouvelle voiture! Rassure-toi que ce soit des couleurs rouges. Une fois que tu y es, tu vas demander Sandy. Et si tu arrives, tu vas la livrer à Sandy. S'il te plaît, j'insiste, je parle d'une couleur rouge. Rouge de vin. Ok, monsieur, on en a ici. Je vois une voiture toute neuve. Oh mon Dieu. S'il vous plaît, madame, la personne qui a porté ces clés m'a demandé de vous les remettre. C'est comme si on vous a acheté une autre voiture. Prenez, non, madame. Oh ma chérie, tu as une nouvelle voiture. Hey, très jolie voiture. Oh. Ah, regarde ça. Hey, ça mérite une célébration. Allez, t'es là. Hey. Hey. Ma chérie, mais pourquoi tu pleures? Il a juste remplacé ta voiture en achetant une autre. Allez, allons célébrer. Célébrer quoi? Célébrer quoi? Qu'est-ce qu'il y a ici à célébrer? Qu'est-ce qu'il y a ici à célébrer? J'ai perdu bien plus qu'une voiture. Tu comprends pas. Tu as fait quoi? Je ne comprends rien. Hey, tu as deux voitures maintenant. Allez, c'est le bon. Mon nom est Sandra. Oui. Je ne vais pas perdre. Non. Allô, Kate? Salut, Sandra. Kate, s'il te plaît, il faut que tu rentres le plus tôt possible. Accorde-moi une faveur. Aide-moi à appeler Charles. Et dis-lui que je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. S'il te plaît, dis-lui qu'il trouve une place dans son cœur pour me pardonner. Qu'est-ce qu'il y a encore? As-tu un problème avec lui? Il y a un petit souci. Quand tu vas rentrer, je vais tout t'expliquer. Hein? Aide-moi juste à l'appeler. Aide-moi à l'appeler. Ok.
Mais c'est qui comme ça, hein? Hein? Qu'est-ce qu'il y a ici? À qui cette voiture? C'est une voiture qu'on a achetée pour madame. Mais c'est comme si madame n'a pas beaucoup aimé cette voiture. Elle n'a pas aimé cette voiture. Je ne sais pas pourquoi. Occupe-toi de tes affaires. Est-elle là? Oui, elle est là à l'intérieur. Il est ça. Raison pour laquelle je t'ai appelé. Dis, est-ce que tu as supplié Charles pour moi? Il ne prend pas mon appel. Sandra, peux-tu arrêter ce drame et me dire ce qui ne va pas? À qui est cette voiture? C'est ma voiture. Toi? Oui, Charles m'a acheté cette voiture. Mon Dieu, c'est impossible, Charles. Qu'est-ce que tu dis? C'est vraiment impossible, Charles. Je suis sérieuse. Charles n'est pas celui qui prétend être. Ce gars est très malin. Ça, c'est un mensonge. Ça ne peut pas être mon Charles. Oh. Ton Charles? Je veux dire, Charles, on ne peut pas acheter une voiture. Ah, j'aurais voulu que ce ne soit pas lui. Mais ma chère, il s'agit bien de Charles. Kate, il a accidentellement rayé ma voiture. Et puis, on s'est mis à se disputer. Et moi, je lui ai fait, moi, je ne veux pas qu'on répare ma voiture. Je veux une voiture toute neuve. Et voilà, il m'a acheté une nouvelle voiture pour remplacer l'ancienne. Hey, Kate. Ce type est riche. Le mec, il est fortuné. Il n'est pas celui pour qui se fait passer. Il n'est pas un chauffeur de taxi. Charles se déguise, il n'est pas chauffeur de taxi. Oh. Kate, aide-moi à reprendre contact avec lui. Mais qu'est-ce que je veux faire? Il ne prend pas mes appels et... Je ne sais même pas où il est maintenant. Je ne sais pas. J'ai une idée. Tu sais la voiture qu'il m'a achetée? C'est soit lui qui est concessionnaire, ou alors c'est son ami qui est concessionnaire. Ouais, parce que j'ai cru avoir entendu son ami l'appeler Boss. Boss? Oui. Alors ce que nous allons faire, c'est vérifier l'adresse qui figure sur la facture de la voiture. Puis ça pourrait nous conduire à lui, il faut que je le voie. Je t'en prie. Ok, c'est une bonne idée. Allons-y alors. Allons-y, vas-y. Richardson Automoba Limited. C'est là que la voiture a été achetée. Je suis sûre qu'il en est propriétaire. Hey! Richard, un chauffeur de taxi. Hey. Il est vraiment un homme riche. Incroyable. Je pense que c'est un rêve. Oui, c'est vrai. Oh. Cet homme, il a vraiment beaucoup d'argent. Hein? Donc certainement, il doit avoir beaucoup de voitures. Et toi, là, tu sors ta bouche. Ah, cet homme a beaucoup d'argent, oh. Hein? Donc, tu savais qu'il avait de l'argent. Ah non, madame, ne vous fâchez pas, j'avais oublié. Allez, dis-toi là-bas. Tu fais partie de mes problèmes, ça dégage. Ah, merci. Porte quoi? Tu sais quoi? Je crois qu'on devrait les appeler. Allons à cette adresse. Allons, non?
Allez. Kate, veux-tu m'épouser? Je rêve ou quoi? Non, ce n'est pas vrai. Kate, je suis sérieux. Veux-tu m'épouser? Ouais, mais ça doit sûrement être l'un de ces pièges. Kate. Ceci n'est pas une blague, je suis vraiment sérieux. Je t'aime de tout mon cœur. Je veux que tu sois ma femme. Sandra. Mon temps avec toi est terminé. Excuse-nous. Théo. Sors. Va-t'en. Assieds-toi pour qu'on puisse parler. Je ne peux pas m'asseoir avec toi. Tu es juste mon ami et comment je peux m'asseoir avec toi? En tout cas, je ne saurais pas. Kate, j'ai demandé à ton ami de partir. Parce que ce n'est pas une fin pour moi. Je lui ai demandé de partir. Parce que mon temps pour elle est terminé. Je t'aime, Kate. Du plus profond de mon cœur. Et je sais aussi que du plus profond de ton cœur, tu m'aimes. Et je vois que tu veux fuir. Mais que je te dise ceci avant que tu partes, s'il te plaît. Quoi que tu fais, s'il te plaît, suis ton cœur. Parce que je sais que ton cœur m'est destiné. Je dois... Je dois m'en aller. Oui.
Tu es très jolie, tu sais. Oui, merci. J'adore cet endroit, c'est trop calme. Ah oui, hein, c'est vraiment calme, c'est... Qu'est-ce que je vois? Oh. Oh, Kate. Sandra. Nous allons faire la bamboula ici. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Absolument, nous devons le rejoindre. Oh, où va-t-elle comme ça? Ah, toi aussi? Tu devais amener un truc, n'est-ce pas? Tu devais emmener un truc, n'est-ce pas? Ouais, t'as raison. Mais Richard, Charles, pourquoi tu t'es rabaissé jusqu'au niveau de te déguiser en un chauffeur de taxi? Tu devais t'approcher auprès de Sandra comme un riche, elle allait dire oui. Et tout ce problème n'allait pas arriver. Si j'allais à Sandra comme l'homme riche que je suis, elle aurait accepté, mais j'aurais eu un monstre comme femme. J'ai raison de faire les choses que je fais. J'étais une fois amoureux. J'avais tellement aimé cette fille. J'étais au point d'en finir avec sa famille. Mais elle brisa mon cœur. Tu sais ce qui s'est passé? Bienvenue, monsieur. Allô, chérie. Est-ce que tu vas bien? Très bien. Comment tu vas? Ça va. C'est qui le jeune homme? Je suis... Dédé, ça, c'est mon frère dont je t'avais parlé. C'est lui qui fait le business. Son nom, c'est Nino. Oh, comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Et j'espère que ta soeur prend très bien soin de toi, n'est-ce pas? Ah oui, monsieur, c'est ça. C'est ce qu'elle fait. Bien sûr que oui, c'est ce qu'elle devait faire. Et tu es plus qu'un beau frère maintenant. Tu le sais, n'est-ce pas? Je veux te dire ceci maintenant que tu es ici. Je veux te le dire catégoriquement que très bientôt, nos fiançailles vont prendre fin. Comme ça, tu pourras marcher dans cette maison et te sentir libre, ok? Merci, monsieur. Merci, monsieur. Ça, je vais juste prendre bain. Comme ça, je vais mettre quelque chose de très léger, comme ça on va parler. Ok? Richie. Mon cher. C'était qui cet homme avec elle? Oh, c'est Nino, c'est le frère de Emma. Mon beau-frère en devenir. Qu'est-ce qu'il y a? Richie, regarde. Ce que je vis là-bas, ça ne ressemble pas à une relation d'un frère et une sœur. Man, ouvre tes yeux! Je sais. Regarde, laisse-moi te dire que je n'ai pas le temps pour cette stupidité, ok? Je ne sais pas, mais ils sont juste un peu très proches l'un de l'autre. Ils tenaient la main comme s'ils allaient s'embrasser. Je suis sûr que c'est ce que tu as vu, n'est-ce pas? Mais arrête tout ça! Ils étaient en train de s'embrasser. J'ai vu ça avec mes deux yeux, non? Tu l'as vu. Oh, je pense que tu t'es trompé. Il n'y a rien qui se passe entre les deux. Je t'ai dit la vérité. Il n'y a rien de tout. Regarde. Je sais que tu ne vas pas me croire. Mais si tu veux savoir la vérité, juste installe une caméra dans cette maison. Et tu auras la vraie version de la situation. Je connais ton problème. Tu n'as jamais aimé Neymar. Je t'ai dit. Mais tu sais quoi? Juste à cause de ta curiosité, je vais appeler le maître de la société de surveillance comme c'est bon, mettre une caméra ici, juste pour te prouver que tu as tort. Bon. Relax, laisse-moi te chercher quelque chose. D'accord, merci.
Regarde ça. Chérie, je n'ai jamais profité de mon intimité comme c'était aujourd'hui avec toi. Tu es vraiment magnifique. Richie, je t'avais dit. Je t'aurais prévenu. Richie, je t'avais dit tout ceci. Mais tu as catégoriquement refusé de m'écouter même pendant une seconde. Léna, regarde. Je t'avais dit que cette femme t'aime rien que pour ton argent. Hein, Richie? Quoi alors? Mais tu ne m'avais pas cru. Remercions Dieu, tu as découvert la vérité. Tu en as devant toi. N'est-ce pas drôle? C'est la seule fille que j'avais aimée, à qui j'avais donné mon cœur, à qui j'avais donné toute ma vie, et avec qui j'allais passer le reste de celle-ci. C'est celle qui n'était attirée par aucune autre chose que ma richesse. Et elle cherchait différents moyens pour voler mon argent et faire la fête avec son petit ami que je pensais être son frère. J'ai eu mes propres expériences dans la vie et j'en ai compris que la cupidité dans l'homme est un grand mal. Mais je suis humain. Je veux l'amour. Alors j'ai décidé de chercher une stratégie. Ouais, fais me déposer là-haut. C'est bon, c'est parfait. Merci. Vous habitez Paris? Non, je passe au fait saluer un ami, puis je retourne à la maison. Ça vous dérangerait si je vous déposais à la maison? Ça serait un plaisir de savoir où vous habitez. Je pourrais vous rendre visite. Quand j'aurai fini, je vais me débrouiller pour rentrer. Et concernant votre question, désolé, je ne reçois pas de visiteurs chez moi. Alors, à propos de votre numéro? Je ne donne pas mon numéro aux étrangers. Merci. Thank you. Ouais, sois pas étonné. Parce que regarde-moi maintenant, assis devant toi, Kate. Tu es tellement une bonne femme, tu as un grand cœur. Celle que je voulais toujours avoir. Je suis chanceux. Tu sais quoi? Juste essuie tes larmes. Et qu'on nous serve un truc à boire. Serveuse. Waiter. Je peux savoir où est-ce que tu vas comme ça? Je ne te comprends pas, Sandra. Donc tu as fait exprès d'emmener Charles dans l'hôtel où je voyais aussi un autre homme, n'est-ce pas? Comment? Je ne peux pas faire ça. Comment? Très bien, Kate. Écoute, je commence à en avoir marre de tout ceci. Tu entres, tu fais tes bagages et tu quittes ma maison.
Sandra, laisse-moi t'expliquer, ok? Expliquer quoi? Kate, je pensais que tu étais une amie. Je t'ai pioché de la rue. J'ai changé ta vie, j'ai pensé que tu ressembles à une femme. Et le mieux que t'as trouvé à faire, c'est marcher sur mes plates-bandes. Tu m'as poignardé en me regardant droit dans les yeux. Espèce d'incrate. Voleuse de mec. Tu sais quoi? Tu vas entrer là-bas et tu ramasses tes bagages. Et tu quittes ma maison sur le champ. Sandra. Je ne veux plus jamais te revoir ici. Sandra, laisse-moi t'expliquer. Je dis que je ne veux plus jamais te revoir de la vie. Va faire tes valises. Pourquoi tu fais ça? Va faire tes valises. Si toi tu ne veux pas le faire, je le ferai moi-même à ta place. Règne-toi d'entrer de faire tes valises. Je ne veux plus jamais te revoir. Oui, bien. Pourquoi tu l'as emmené ici sans me prévenir? Pourquoi es-tu venu ici? Vas-y! Tu ne pouvais pas venir ici. Pourquoi? Ça va me causer de problèmes. Je ne veux pas de ça. Oh, je suis désolé. Je suis désolé. Je... D'accord. Regarde. Je voulais vraiment te voir, tu sais. Mais regarde, je suis là, tu sais que je ne pouvais pas venir, c'est sans te voir. Hein? Allô? Sandy, tu ne pourras pas croire ce qui se passe ici. Maintenant, tu sais, Charles est venu voir Kate. Tu sais, maintenant que je te parle, que tous deux sont dehors en train de parler. Elle s'est mise à côté de sa voiture et ils sont en train de parler tous deux comme des amoureux. Ouais, je suis sérieuse. Écoute, si tu te pêches, tu vas les attraper. Allez, ma chérie, viens prendre ton homme. Ok, alors si tu n'es pas confortable ici, pourquoi ne pas aller à un endroit qui est calme, silencieux, où on peut parler? Ok. Désolé. Mon Dieu, c'est comique. Arrête-toi ici. Et pourquoi je ferais ça? Hein? Mais arrête-toi, non? Écoute, tu ne peux pas comprendre le fille comme moi. T'inquiète, je suis en train de travailler. Tu dois me comprendre maintenant. Il y a des choses que moi je peux régler et pas toi. T'es sûre à propos de ça? Oui, je suis sûre. Tu peux aller avec elle, ok? Ok, elle va prendre ta place. Oui, d'accord. Prends soin de toi. Oui, bye.
J'ai dit, hein. Ils sont où, Charles et Kate? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ton visage est-il pareil? Tu as un problème? Ah, c'est toi qui as un problème. J'ai dit, où est Kate et Charles? Ah, mais qu'est-ce qu'il y a, non, Sandra? Mais pourquoi tu es agitée comme ça? Ah, Jessica, où sont Kate et Charles? Ils sont partis déjà il y a quelques minutes. Pour aller où? Comment est-ce que je saurais? Et elle n'a dit à personne. Oh. Ma chérie. Hey. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Hein? Il y a un problème. Il y a un très gros problème. Il y a un problème. Et ce problème, il va naître si, le fait, si je reviens dans cette maison et que je vois encore Kate dans cette maison. Levette, tu sais que ça fait toujours en pointe. Toujours en pointe. C'est ça. Si je vois qu'il est encore dans cette maison, je jure devant Dieu, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu perdes cette maison. Crois-moi, tu vas perdre cette maison. Je m'en vais. Minute. Vous savez, vous toutes comme vous êtes. Laissez-moi vous dire un truc. Si vous ne chassez pas Kate de cette maison, elle va vous piquer tous vos petits amis. Et elle aura les tiens. Ah, de piquer ton petit ami. Elle fera genre... Oh, ton mec m'intéresse pas. Moi, une vipère. Ne me dites pas que je vous avais pas prévenu. Ne me dites pas que je vous ai pas prévenu. J'ai déjà parlé. Mais si je reviens encore ici et que je découvre que Kate vit toujours ici, faudra pas m'en vouloir. Ma chérie, prends ton calme. T'inquiète. Jessica, comment Sandra a appris que Charles était ici? Regardez-moi. Comment est-ce que je saurais? Est-ce que j'ai l'air d'une prophétesse ou j'ai parlé comme une sorcière? Hypocrite, n'est-ce pas que tu fais toujours les commérages? Jessica, arrête! Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça suffit, non? Vraiment. Jessica, tu cherches toujours des problèmes. Regardez-moi ces problèmes. Pardon, épargnez-moi de tout ça. Ne me mettez pas dans le même box que Kate. Pardon, je ne veux pas de problème. Pourquoi tu me pousses comme ça? Viens d'abord ici, Kate. Tu sais quoi? Je ne veux pas de troubles. Je pense que ce serait mieux pour toi de quitter de cet endroit. Pour la paix et la sécurité de ta vie. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un dans cette maison qui est en train de collecter des informations pour les donner à Sandra. C'est vrai? Oui. Après ton départ avec Charles, Sandra était immédiatement blessée. C'est sûr qu'il allait te battre. Heureusement qu'elle n'a trouvé aucun de vous. Qu'est-ce que je fais à Sandra? Qu'est-ce que je lui ai fait? Kate, ça c'est très sérieux, je t'ai dit. Elle était vraiment en feu, je t'ai dit. Elle a juré disant qu'elle fera tout pour finir avec toi. Tu sais jusqu'où elle arrive quand elle décide de faire quelque chose. Pardon, évite tous ces problèmes. Tu sais, pas de cet endroit en tout cas. Mais au moins, pour que ta conscience soit calme, s'il te plaît. Désolée, mais tu sais, je devais te le dire. Patricia, je suis en train de penser que ce serait une très bonne idée si votre mère venait. Ne penses-tu pas ainsi? Parce que je suis en train de penser que sa présence ici va l'aider à sortir du stress qu'elle traverse et pour que vous puissiez aussi prendre soin d'elle et qu'elle soit en bonne condition. Vrai, je sais, tu as raison. J'étais aussi en train de réfléchir comment les réaliser. Vraiment? Tu dois arrêter de penser et fais-le. Ok, fais-le arriver. Tu n'as pas assez de temps. Ok, merci.
je t'en prie. Et je pense aussi que sa présence ici dans la ville va aussi beaucoup aider Kate à être concentrée. C'est ce que je crois. C'est vrai. Alors toi, tu vas m'appeler maman et me donner le feedback pour me dire ce que vous avez conclu. Ok, si ça va demander de l'aide financière, je serai très content de le faire. Merci beaucoup. Oh, je t'en prie. Merci. Ok, d'accord. Merci de m'accompagner. Prends soin de toi. Bien sûr. Ok, merci beaucoup. Ok, je suis content. Mon fils, j'ai entendu beaucoup parler de toi. Je n'ai plus besoin de savoir quoi que ce soit à propos de toi. Je sais que tu es une bonne personne. Tu es le bienvenu dans la famille. Ah, merci, maman. T'inquiète. Tu es déjà mon beau-frère. Et si on compte. Et si on compte. Tu sais quoi? Ma fille t'aime vraiment beaucoup. Parce qu'on a eu le temps de parler avec elle de beaucoup de choses à propos de toi. Mais on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui me fait peur quand il faut penser à son mariage. J'ai essayé vraiment beaucoup. J'ai cherché à comprendre ce que c'était. Maman, ça, ce n'est plus ton défi. Ce n'est plus ton défi. Hein? D'accord, ça va aller, maman. C'est que tu dois connaître que je suis un grand homme, je sais quoi faire. Et ce qui est le plus important maintenant est que tu es en ville. Et je suis vraiment content que tu sois venu en ville. Merci. Je t'en prie. Je t'en prie. Bonjour, maman. Ça va, chérie. Heureusement que tu es là. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne m'avais pas prévenu. Bien. Je ne suis pas venu pour te voir. Je suis venu voir maman. Si du moins tu n'es pas jalouse. On était juste en train de causer. Je crois oui, que bien. Pour c'est pour moi. Mets-toi. Allez, assieds-toi. Kate, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu fais attendre Charles pour finir avec tout ça. Hein? Qu'est-ce que tu attends? Je veux que tu saches qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Tu as assez déjà grandi pour être une mère. Mais pourquoi tout ça? Tu fais passer le temps inutilement. Ok, Richard ici est à soi. Alors, tous deux, mettez-vous ensemble et oubliez tout ce qui se passe dans son distraction. Je veux que tu saches qu'il n'y a rien ou encore personne ne peut prendre ce qui est à toi. Sois-en fier. Hein? Maman, qu'est-ce qui est amusant? Pourquoi tu ris? Ah. Que faites-vous ici? Maman, pourquoi ils sont là? Allez apporter la nourriture et la boisson pour les visiteurs, ok? Allez, va prendre là-bas. Oh, j'arrive. C'est bon, mon gars. Je suis là. Mais c'est parce que tu n'étais regarde, pas là. Regarde. Maman, pourquoi les as-tu laissés écouter mon groupe? Alors, ils ne peuvent plus parler avec les apôtres. Richard, tu sais que je t'aime énormément. Avec ou sans l'argent. J'avais refusé de prendre quelque chose provenant de toi juste pour que notre relation ne soit pas basée sur le bien matériel. C'est juste, il y a quelque chose que me retient d'accepter ta demande. Et c'est quoi? La vie que je menais avant de te rencontrer. Le genre de vie que la pauvreté m'avait imposée. J'étais vraiment par terre, je te jure, Richard. J'ai manqué même l'argent pour aller à l'école. Je faisais quelques jobs au village pour rassembler l'argent et aller à l'école. J'avais rencontré Sandra. Elle m'avait aidé. Elle m'avait donné la chambre dans son hôtel. Mais Sandra a vraiment une très mauvaise vie. Elle couche avec les hommes pour l'argent. Et ces hommes la sponsorisent. Ils prennent soin d'elle.
Et elle était aussi prête à vendre ses habits et ses accessoires de maquillage pour avoir l'argent. Sandra continue à me faire pression pour rejoindre aussi sa vie. J'avais refusé. Après mon diplôme, j'étais désespérée pour avoir un job. J'étais incapable de aussi soutenir ma famille. J'avais tout fait pour avoir un job. Je suis allée partout. J'étais vraiment fauchée. Un jour, Sandra m'avait demandé de la rejoindre pour voir un ami. J'étais aussi partie avec elle, tout en ignorant que elle pouvait me pousser à faire quelque chose que je ne pouvais pas. Elle savait que je ne pouvais pas accepter. Et elle avait pris le devant. Et elle m'avait poussée. Kate, voici mon ami qui s'appelle Don. C'est lui qui souvent me donne du travail. C'est vraiment un homme chic et très gentil. Don, je te présente une bonne amie à moi qui est une sœur, Kate. C'est celle dont je te parlais pour que tu l'aides aussi à trouver du travail, hein? T'es une très bonne amie. Ah, je sais, merci. Alors, Kate, qu'est-ce que je peux t'offrir? Ne t'inquiète pas, moi je vais prendre un spiritueux. Elle ne prend pas d'alcool. Elle va vraiment probablement prendre du jus, oui. Ok, ça va. Moi, je suis de la maison. Ouais. Danton. Dandan. Mon joli bébé. Dandan. Bébé. Sens-toi à l'aise. Fais comme chez toi. Ça suffit. Ok. Yvon. Et c'était la dernière chose dont je me rappelais. Et je crois, après quelques heures, à ma grande surprise, il m'avait laissé l'argent dans la chambre. Je crois que tout était perdu. Sandra était venue à la maison en parlant, en criant, m'accusant d'avoir couché avec son petit ami. Et j'avais essayé de me défendre. Et elle m'avait posté la vidéo de moi et Donatus. Et plus tard, j'avais découvert que c'est Sandra qui avait tout planifié. Elle m'avait droguée juste pour me livrer à Donatus. J'avais continué à chercher un boulot. Et j'avais commencé à éviter Sandra. Et après, j'avais trouvé un boulot. Tu vois, dans une bonne compagnie. Tout marchait très bien. Et un jour, le DG du compagnie m'avait appelé dans son bureau, me disant de partir. Après avoir perdu mon boulot, mon père était mort à la même période. Je crois que ma vie était perdue. Après son enterrement, je n'avais pas de choix. Lorsque j'étais rentrée à la cité, les choses tournaient vraiment mal pour moi. Je n'avais pas d'autre choix à faire que d'aller chez Sandra. J'avais vu l'homme avec qui j'avais couché. Et j'étais partie avec lui à l'hôtel. J'étais capable de rassembler l'argent pour ouvrir mon salon.
Et les choses commençaient à marcher. Et Sandra avait toujours gardé cette vidéo. Après toute ma souffrance. Kate. J'ai été entendu. Vraiment, j'ai entendu. Et je veux te dire que je suis vraiment désolé pour tout ce dans quoi tu es passé. Et c'est triste, mais c'est vrai que nous sommes tous victimes des expériences de la vie. Tu n'es pas la seule, tu sais. J'ai entendu parler et je me suis dit si seulement j'avais été là. Avec toi. Peut-être que si j'étais dans ta vie, j'aurais été à mesure d'arrêter toutes ces choses, mais... Juste arrête de te mortifier, ok? D'accord? S'il te plaît, excuse-moi. Même s'il n'y a rien qui s'est passé entre nous, excuse-moi juste. Je t'en prie. Qui suis-je pour te juger? Kate. Je te pardonne. D'accord? Ça va aller. C'est bon. Je t'aime. Je t'aime aussi, bébé. Je t'aime. Ça va aller. Tu ne peux plus encore te sentir culpabilisé. Tu risques de te donner toi-même des traumatismes. Tu sais, avec le pardon, tu dois commencer d'abord par te pardonner toi-même. Rappelle-toi que c'est impossible. C'est vraiment impossible de faire comprendre à tout le monde ce que tu penses pour qu'il te pardonne et revienne à tes côtés. Tu n'as qu'à faire tout ce que tu peux et laisser tout le reste entre les mains de Dieu. Alors maintenant, ce que tu as à faire, c'est d'aller chez ton ami, parle-lui et dis-lui que tu es désolé. Et en le faisant, rassure-toi d'être brillante. Merci beaucoup, maman. Merci, ma chère. Encore une chose. Je ne veux plus que tu continues à rejeter Richard. Tu sais, quand tu fais ça, tu lui montres clairement que tu ne veux pas sa proposition. Non, non, il va comprendre que tu ne veux pas être sa femme. Il a des bons projets pour toi. Toi aussi, mets-lui dans tes projets. Soutiens toutes les bonnes choses qu'il veut réaliser. Hmm? Tu sais quoi? Les hommes aiment les femmes qui sont soumises et qui peuvent aider. Oui. Ok. Mon téléphone. Allô? Ok. Attends-toi alors. Je te l'avais dit. Donc je dois partir. On se voit bientôt. Bye. Ah, mais je te dis. Oh, on va. Toi, tu veux quoi? Mais sert à quoi se porter au col? Toi, tu veux quoi? Tu peux entrer quelques minutes, s'il te plaît. Tu n'es plus la bienvenue dans cette maison. Sandra, je t'en prie, s'il te plaît, ça ne peut pas être ainsi, ok? N'es-tu pas fatiguée de ça? Nous sommes des amis, plus que des sœurs. Vraiment? Oui, s'il te plaît, oublions tout ça. Oublions tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui était bon. Laissons ça et tournons la page, s'il te plaît. Je t'en prie au nom de Dieu, pardon.
Ok. Je t'ai entendu. Tu m'as pardonné? Ouais. D'accord, je dois partir. Je sais, ok, bye. Promis? Oui, je t'assure. Bye. Bye. Ah, Jessica, allons. Sandy, je ne m'imagine pas. Tu veux dire que tu lui pardonnes seulement comme ça? T'inquiète pas. Allons-y. Sandra en moins. Venu dans ma maison et ce n'est pas drôle. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu décroches pas mes appels? Parce que nous n'avons rien de pourtant à signer, alors je n'ai pas besoin de répondre. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je suis ici pour te raconter la vie sordide que mène dans l'hypocrite des copines. Ah, je fais allusion à la sale partie. La sale partie. Ouais. Écoute. Ouais. Je sais que tu ne sais pas qui elle est réellement. J'arrive déjà à voir comment tu te refroidis. Attends, tu vas voir. J'ai quelque chose pour toi. Là, une vidéo très explicite, un aperçu de son sale style. Et ça, c'est vraiment l'extrait de l'anticipé. C'est bon, allez, vas-y. Quand tu auras fini, fais-moi savoir si c'est le genre de femme pour toi que tu voudrais vraiment épouser et passer le reste de ta vie avec. Tu me rends malade, Sandra. Quand vas-tu arrêter d'essayer de ruiner ma vie? Arrête de m'embarrasser. Tu avais la chance d'être avec moi. Tu avais une grande opportunité et tu as joué avec ça. Et tu l'as foutu en l'air. Tu as totalement déconné. Regarde, laisse-moi te dire un truc. Kate m'a dit tout à propos de ça, de son passé à son présent. Elle m'a tout dit, le bien comme le mal, le vilain, elle m'a tout dit. Tu cherches de tous les moyens pour essayer de rentrer dans ma vie, parce qu'entre moi et toi, c'est fini. Tu m'entends? C'est fini. Mon cœur appartient à Kate. Alors le temps est venu pour moi. C'est la femme que je vais épouser et c'est avec elle que je passerai le reste. Prends cette chose stupide et sors de mon bureau. Sors! Non, Richard. Nous étions amis et nous devrions le rester. Si tu dis un mot de plus, pendant que tu es toujours assis sur cette chaise, ce sera la dernière fois que j'entends ta voix. Sors d'ici. Maintenant. Sors! Espèce d'idiote.
Allô? Pas vraiment, mais ça va. Oh! Tu sais quoi? Est-ce qu'on peut parler après? Je vais te rappeler après. Bien. Ça a été. Jessica, le plan n'a pas marché. Quoi? Il sait déjà tout ce qu'il faut savoir sur elle. Il n'a pas mordu à l'hameçon. On ne pourra pas le manipuler comme on le souhaite. Qu'allons-nous faire maintenant? Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'en sais? Ah chérie, on va recourir au plan B. T'inquiète, je vais m'en occuper. Allô? Chérie, c'est toi. Kate, baby. Comment tu vas? Je suis surprise de ton appel. Allez, ma chérie. Je sais que tu me comptes plus parmi tes amis. C'est pourquoi tu ne m'as pas parlé de ton mariage à venir. Ah, c'est pas vrai. Je ne l'ai pas encore dit à quelqu'un officiellement. D'ailleurs, je passerai vous voir demain. C'est vrai? Tu viendras demain. À quelle heure, s'il te plaît? 16h, dis à tout le monde. Bien, ça sera une bonne chose. Tu t'attendrais demain alors. Ça a marché. On va la voir. Ça rentre toujours en pointe. Non, mais bien. Bien. Ah. Était là présent. Alors je devais m'occuper d'eux avant de sortir. Ah, oh, ça c'est très gentil. Merci. Où sont les autres? Laure est partie au marché. Ok. Cynthia et Samantha se sont déplacées. Ok. T'inquiète, bientôt elles seront de retour. Juste relaxe-toi. Ok. Et sans toi à la maison. Je sais que tu l'as bien vu. Je sais. Ah, oh, qu'est-ce que je peux bien t'offrir? Oh, désolée. Désolée de te demander ça, je n'aurais pas dû te poser cette question. Je sais que tu ne prends pas l'alcool. Mm-hmm. Ok, alors, on a le jus d'orange et le bon dans le frigo. Alors, tu peux aller faire ton soir. Eh, sers-toi. Mm. Tu sais, tu n'es pas une étrangère ici, non? C'est toi qui m'as permis d'aller prendre tout ce que je veux. Alors, je vais tout prendre, je m'en fous. La grenadine, je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas. Dis-moi, c'est où? Oui, réponds-moi. Oh non, Laure l'avait apporté hier. Mais je ne sais pas où est-ce qu'elle a mis ça.
Mais t'inquiète, je vais te dire. Ok, je viens avec toi. S'il te plaît, je t'accompagne, viens, on peut aller ensemble. C'est pas un peu plus. Ok, viens. Dieu bénisse la personne qui a mis ses joues. Ça, c'est exactement ce dont je me souviens. Que Dieu bénisse la personne qui a mis ses joues. Ça va vraiment me rafraîchir. Il fait tellement chaud. Je devais aller fouiller pour trouver quelque chose à manger. Ah, ma chère. Tu sais, ces filles, la façon dont elles montent les arracher dans ce film, j'ai pas fini en même temps. C'est pourquoi je m'étais décidée de les cacher. Mais tu les as quand même trouvées, non? C'est Jessica qui l'a trouvé. Jessica. C'était vraiment ce que je cherchais. Lovette. Ça, c'est le même jeu qu'on a laissé ici ou c'est un autre. Désolée, où est-ce que tu as pris ces jeux? C'est moi qui devais te demander où est-ce que tu as pris ça. C'est ce qu'on a laissé ici. Ah! J'arrive à grands pas. Quoi? Qu'est-ce que nous allons faire? Sandy, je ne ferai plus rien. Lovette est mort. Et son corps est dans la mort. Tu continues toujours à chercher comment éliminer Kate? Non. Tu ne peux plus continuer à être son cœur égoïste.
T'es pas en train de me laisser tomber, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça le problème. Sandy, ça ce n'est pas un problème. Le problème ici est que Lovette est morte. Et le docteur suggère une autopsie. Et quand cette autopsie sera faite, sa famille saura qu'il a été empoisonné. Et donc, Kate va se rappeler que c'était moi qui lui avais donné le sucre que Lovette avait bu. Et Kate saura que c'est toi. Et au fait, elle n'a même pas besoin de cette autopsie pour savoir que c'est toi qui as essayé de l'empoisonner. Rappelle-toi, la boisson que Lovette a bu, c'était bien le même verre que tu avais proposé à Kate, n'est-ce pas? Oui. Et puis même, qu'est-ce qui ne te fait pas penser que Kate ne serait pas en train, en ce moment-ci, en train de remercier Dieu et raconter à tout le monde comment est-ce qu'elle a été mariée? Oui. Elle est souvent en train de dire merci, mon Dieu. Oh oui, tu as sauvé ma vie, tu m'as épargné. Je suis encore en vie et voilà. Mais qu'allons-nous faire maintenant? Il faut que tu la frappes avant qu'elle ne te frappe toi. Il faut qu'on élabore un plan C. Plan C? Oui, un plan C. Monsieur, qui cherchez-vous? Oh, désolé, est-ce que c'est ici la maison des chiefs Okoki? Non. Ok. Bon, je vais chercher de l'autre côté. Merci. Ok. Vous avez vu ce gars? Et celui qui vient de oui, partir? Oui, celui qui vient de partir. Oui. Oui. Il a une arme. C'est vrai? Je n'ai vu aucune arme. Je sais ce que je dis. Cet homme a une arme. J'ai compris qu'il est venu m'attaquer. Jésus Christ. Je savais que cet homme. Allô, Richard. Où es-tu, s'il te plaît? Viens maintenant. Oui.
Quelqu'un peut m'attaquer avec une arme. Je sais ce que je dis. Oh, attends. C'est le gars en question. Qui ça? C'est lui qui voulait me tuer, oui. Je me souviens de lui. C'est exactement la même voiture qu'il conduisait quand il a parqué avant moi. C'est... Tu sais c'est à quoi je pense? Je pense qu'on doit les suivre. Pour savoir exactement là où il va. Quand on y est, on appelle la police pour l'arrêter. Non, 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 tu ne peux pas faire ça. C'était un risque. Laisse-le partir. Le laisser partir? Non. On ne peut pas les laisser partir. Si on les laisse partir et qu'ils reviennent après toi, qu'est-ce qui va arriver? Hein? Relax, chérie. On va suivre ces messieurs pour découvrir exactement où il va. Et une fois qu'on y sera, on va appeler la police pour l'arrêter. D'accord, on va voir jusqu'où il va. Es-tu sûr? Je suis sûr, ça va. T'en fais pas. Juste calme-toi. Ça va aller, ok? On va le suivre calmement, ok? Es-tu sûr? Ouais. Juste fais-moi confiance. Je crois que ce n'est pas ce que je pense. Je t'avais dit que ça en va. Et derrière tout ceci, mais tu ne m'as pas cru. Allô, Pedro, c'est bon après-midi. Oui, c'est Richard, oui. Bon, je vais bien, monsieur. Monsieur, j'ai... Je venais d'être dans une situation et... La vie de ma fiancée est en danger. Pendant que je te parle, je suis en train de suivre l'assassin qui a été engagé pour la tuer. Oh oui, oui, monsieur. Nous avons l'adresse maintenant. Où se sent cette l'avenue à voie croissante. Oh oui, le suspect est toujours dans le bâtiment. Ok, mais si une chose change, avant que tes éléments n'arrivent, je vais te faire signe. Mais je suis là. D'accord, monsieur. Oh, merci beaucoup, monsieur. Merci. Je ne te comprends pas une seule seconde. Comment as-tu pu échouer à une tâche aussi simple? Et tu te fais appeler professionnel? Je suis un professionnel. Je n'ai pas échoué. Je n'ai pas échoué. Je vais juste avoir... Attends, dis que tu n'as pas échoué. Mais alors comment est-ce que la fille en question est encore en vie? Jessica, explique-lui que j'ai besoin d'un peu de temps. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour perfectionner mon travail. Comme ça, ils n'auront pas à soupçonner qui que ce soit. Est-ce que tu as dit qu'il te faut encore plus de temps? Leur putain de mariage est dans 2 semaines et moi je n'ai pas ce temps, est-ce que tu comprends?
Je veux que cette fille soit morte d'ici deux jours. Je me fiche de savoir comment tu vas t'y prendre. Assure-toi juste qu'elle soit morte. Compte sur moi. Excuse-moi, je ne sais. La police. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne peux pas croire que vous aviez planifié de me tuer. Sandra! Et toi? Tu voulais aussi me tuer, n'est-ce pas? Désolée, Kate. N'étendais pas le diable. Non! Tu es le diable. Tu as tué Lovette. Tu l'as tué. Pourquoi voulez-vous me tuer? Répondez-moi, allez-y. Pourquoi voulez-vous me tuer? Allez-y, dites-moi un peu. Avec vos mauvais plans. Vous êtes vraiment du diable. Vous méritez la mort. Officier, arrêtez ces gens. On vous arrête. Oh, pourquoi? Vous avez le droit de garder silence. Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous devant la loi. Officier, arrête-les. Non, c'est pas moi. Kate. Allons-y. Allons-y. Bouge. Bouge, bouge. Oya, bouge. 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 Please watch it when you throw.